Ça porte malheur. Alors, le dernier. Et merde. Allons-y. C'est l'heure, ma poule. Ce truc. C'est pas ton problème. Je suis avec lui. On est tous les deux avec lui. Qu'est-ce que t'as contre ce mec? Je veux savoir, c'est pas ton problème. C'est pas la peine d'être excité. Merci, c'est sympa de m'avoir filé un coup de main. Il nous a rapporté $50, on protège notre investissement. Ah, vous avez des gueules d'Irlandais. Enfin des mecs cool de la classe. Roméo. Moi, c'est Connor. Murphy. Hé mec, pourquoi tu cries au feu? Ah, à la télé, ils ont dit qu'il fallait faire ça. Non, ça, c'est pour... si tu te fais violer. C'est curieux, on dirait que t'as besoin d'un tir montant, ma poulette. Oh, mon Dieu, je vous en supplie. Je vous en supplie. Mon Dieu. Ce n'était pas eux, mais je suis sûre que vous le saviez déjà. Il y a deux anomalies, la victime et le lieu. Rien qui leur ressemble. Commençons déjà par le lieu. Nos suspects sont croyants. Ils n'auraient jamais commis un tel acte dans un lieu saint. Et quant à la victime... Toutes leurs victimes étaient des criminels, ce qui n'est clairement pas le cas cette fois. Donc ce n'était pas eux, ce qui fait que cette enquête est une affaire locale et relève de notre juridiction. Par conséquent, avec tout le respect que je vous dois, on va vous dire au revoir, agent spécial Bloom. Avec tout le respect que je vous dois, voilà une phrase que je déteste. Parce qu'elle est inévitablement suivie d'une remarque irrespectueuse. Permettez-moi de vous donner un exemple. Avec tout le respect que je vous dois, inspecteur, cette putain... d'enquête relève d'une juridiction ou d'une autre, selon mon bon vouloir. Vous vous foutez de notre... Venons-en au fait. Quelles sont vos conclusions sur les tireurs? Le tireur, au singulier. Il y a une chose certaine, c'est qu'il est gaucher et, comment le dire avec délicatesse, c'est une toute petite enflure. Un seul gars, gaucher? Et c'est un gnome. Ouais, bien sûr. Laissez-moi vous faire la démonstration. Inspecteur Greenlee, vous êtes la victime. David. Vous pouvez m'appeler David. Très bien. David. Les saints et leur rituel d'exécution, Copley Plaza Hotel, il y a 8 ans. Deux hommes de taille identique mettent Yuri Petrova à genoux et chacun lui tire une balle derrière la tête. La puissance de ta main en nous est passée. Regardez devant, David. La position de la victime et les angles produits par la position des tueurs ont créé un scénario particulier. Les balles se sont entrecroisées dans le crâne et sont sorties par les yeux de la victime. Ce n'est pas le cas ici. Les balles ont suivi directement leur trajectoire, elles sont entrées par l'arrière du crâne et sont sorties par devant. Ce qui se produit quand... Un seul tireur tient une arme dans chaque main derrière votre tête. Un seul tireur. J'en supplie. Mais vous avez pas dit qu'il était gaucher? La victime tombe en avant, s'il vous plaît, David. L'assassin approche le corps par la gauche et le retourne sur la droite. Un gaucher.
vous avez dit qu'il était minuscule. Les seins, comme on l'a déterminé plus tard, mesuraient 1,80 m. Les balles sont sorties par les orbites de Petrova. Ici, elles sont sorties par les joues. Une dizaine de centimètres sous les yeux. Ça lui fait environ 1,70 m. C'est pas extraordinairement petit. L'assassin s'est fait passer pour un fidèle qui voulait se confesser. Une fois que la victime était entrée dans le confessionnal, il la tenait à sa merci. Elle ne pouvait plus lui échapper. Le nabo est sorti, a donné un coup de pied dans la porte du prêtre, laissant une empreinte très nette en forme de croissant, ce qui nous indique que ce cow-boy portait des boots avec un assez haut talon pour se donner quelques centimètres de plus. On cherche un homme d'1,65 m, monsieur. Ce qui est très petit. Minuscule.